Remarquez, je vais prendre la bénédiction de Noé. Remarquez la bénédiction de Noé que Dieu est en train de prononcer. C'est ça la bénédiction d'un élu. Alléluia. La bénédiction des élus. Genèse chapitre 9. Un élu des dieux est éternel. Genèse chapitre 9, à partir du premier verset. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre. C'est très important. Quand nous parlons de l'animal ici, dans les livres de Genèse, c'est vraiment l'animal physique. Mais par rapport à toi et moi qui sommes élus de Dieu, ces animaux n'est rien d'autre que les hommes. Parce qu'il faut comprendre, pendant les milléniums, nous serons le seul véritable homme. Tous les hommes qui vont rester sur la terre, qui n'ont jamais connu le Seigneur, qui ne sont pas venus du ciel et qui ne faisaient pas partie de la Vierge folle, qui ne faisaient pas partie des 144 000, ils seront des animaux. Des hommes animaux. Ça, vous voyez cela. Qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Il n'y a que toi et moi qui auront l'esprit de Dieu. Alors tous ces hommes-là auront crainte de nous. Parce que nous serons tellement puissants, bien-aimés. Je suis en train ici de détailler la qualité d'un élu. Or, Noé était un élu parmi les hommes. Noé et ses fils, c'était des élus. Or, un élu doit avoir la supériorité sur les animaux. Pendant la longévité, pendant les milléniums, bien-aimé, tu seras puissant. Aucun homme ne peut résister devant toi. C'est ça la qualité d'un élu de Dieu. Un peuple que Dieu a choisi. Remarque encore les bénédictions. Genèse chapitre 9. À partir du premier verset. Je prends maintenant le deuxième verset. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre. Pour tout oiseau du ciel. Pour tous ceux qui se meurent sur la terre. Et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. En d'autres termes, Noé a l'autorité sur tous les animaux. Donc toi, un élu de Dieu, pendant ce temps-là, après que l'arche est descendue, comprenez que la bénédiction ici vient quand l'arche descend. C'est-à-dire l'eau diminue et l'arche revient sur la terre. Vous allez comprendre que Noé et ses enfants, c'était des élus. Je vous ai dit la fois passée, c'était l'enlèvement. Ils sont montés avec l'eau jusqu'au ciel. Mais il faut que Noé revienne avec ses animaux quand l'eau va descendre. Or, le retour de Noé sur la terre, c'est le retour des élus. C'est le retour de la Vierge sage qui était montée au ciel, qui revient sur la terre pour vivre les milléniums. Très important. C'est le retour de la Vierge sage qui descend pour venir vivre maintenant les milléniums. Or, pendant les milléniums, c'est ça la bénédiction que nous aurons. Tous les hommes que nous allons rencontrer sur la terre seront sous nos pieds. Nous aurons l'autorité sur eux. Aucun homme ne peut nous faire face. Parce que nous venons du ciel. Nous appartenons au royaume éternel. Aucun homme de la terre. Aucun président. Parce que les hommes vont exister. Aucun homme de la terre aura la supériorité sur nous. Parce que nous serons puissants. Et eux, ils seront comme des animaux. Je continue. Tous ceux qui s'émeut et qui a vie,
vous servira de la nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Ici, dans la révélation, quelque chose qu'on donne comme nourriture, c'est quelque chose que tu peux dompter. C'est-à-dire, tu as de l'autorité. Tu as le pouvoir sur ces choses-là. Donc, Dieu était en train de donner l'autorité sur la famille de Noé. Ils ont l'autorité sur toute nourriture. Ils ont l'autorité sur tout animal. Très important. C'est ça le millénium, bien-aimé. Un élu de Dieu, tu es éternel. Mais pendant le millénium, tu auras toute l'autorité de Dieu. Tu es en train de représenter le royaume éternel. C'est pour cela, ne crains pas. Si tu souffres aujourd'hui, mais demain, ça ne sera pas la même chose. Parce que demain, ceux qui sont en train de te faire souffrir aujourd'hui, ils ne sauront pas te regarder. Parce que ça ne sera pas encore la fin du monde. Ça ne sera pas encore la fin du monde. Nous allons revenir. Et nous serons puissants. Les hommes n'auront pas le pouvoir sur nous. Nous aurons la supériorité sur les hommes. Parce qu'ils seront comme des animaux. Oh, qui est alors un homme? C'est vraiment de la poussière. Mais nous autres, aujourd'hui nous sommes poussés avec les sangs. Mais demain pendant le millénium, nous allons revêtir la gloire de Dieu. Parce que les corps que nous aurons, ça ne sera pas les corps de la poussière. Non, nous n'aurons pas les corps de la poussière. Nous aurons les corps glorifiés, incorruptibles, qui ne pèchent pas. Nous aurons un corps qui ne pèche pas, bien aimé. Un corps qui se déplace à l'espace des secondes. Je peux être en Belgique à 10h30. Je peux directement être en Afrique du Sud à l'espace de quelques tierces de secondes. C'est le pouvoir que nous aurons. L'État n'a pas le pouvoir sur nous. Ou l'État n'aura pas le pouvoir sur nous. Les notions de l'atmosphère n'auront pas le pouvoir. Parce que nous serons au-dessus de toutes choses. C'est ça un élu de Dieu. Un homme puissant, glorieux, qui vient du ciel. Rempli de la puissance éternelle. Dieu est en train de donner cela à Noé. Le verset 4. Seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Ici, c'est en fait le jugement. Bien que nous serons sur terre, mais après il faut que le jugement vienne. Après le millénium viendra le jugement, bien-aimé. Dieu va juger les hommes. Ceux qui nous ont fait du mal, Dieu va le juger. Après le millénium viendra le jugement de Dieu. Je suis en train d'étaler avant le millénium, pendant le millénium, après le millénium, par rapport à l'écriture de Genèse chapitre 9, la bénédiction que Dieu a donnée à Noé. Or, si Dieu va demander l'âme de l'homme par l'homme, cela veut dire l'homme qu'on a tué, il ne va pas lui juger. Parce que cet homme a reçu déjà le jugement, le fait qu'il est passé déjà par la mort, ou soit quelqu'un l'a méprisé, ou que quelqu'un l'a tué. Or, vous allez comprendre que ces hommes qu'on va tuer, qu'on va maltraiter, qu'on va persécuter, n'est rien d'autre que les élus, n'est rien d'autre que le peuple de Dieu. Alors Dieu va demander l'âme de ses enfants auprès des animaux, des animaux, ou soit des hommes, hommes animal. C'est là-bas qu'il y aura les jugements. Je viens te dire, un élu de Dieu ne sera pas jugé au dernier jour. Je viens te rassurer, un élu de Dieu ne sera pas jugé au dernier jour. Au contraire, il sera acquitté parce qu'on l'a fait souffrir. Alors Dieu va le récompenser. Il va maintenant juger ceux qui l'ont maltraité. Oh, tu es un élu de Dieu, bien-aimé. Tu ne seras pas jugé au dernier jour. Pourquoi? Parce que tu portes l'identité de l'éternité. Parce que tu as la longévité. Tu es comme Noé. Waouh! Noé a vu Abraham, bien-aimé. Noé,
était vivant quand Abraham était né. Quand Abraham jouait. Quand Abraham pleurait comme un bébé. Quand Abraham grandissait jusqu'à 50 ans, Noé était toujours vivant. Ça, c'est une grâce. Sem, qui a la grâce, l'onction de l'éternité, l'onction de la longévité. Il a vu la mort d'Abraham. Abraham est passé, mais Sem est resté. Pourquoi? Parce que Sem avait la bénédiction de l'éternité. Ici, je prends Sem comme la vierge sage, un élu de Dieu. Comprenez-moi. Je n'ai pas dit qu'Abraham ne va pas entrer au ciel. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle de la longévité. Abraham, par rapport à son âge, comparé à Sem, c'est vraiment insignifiant. Parce que Sem a vécu 600 ans. Abraham n'a vécu que 175 ans ou 175 ans. Abraham est né, Sem a vu. Abraham est mort, Sem a vu. Abraham est né, Noé a vu. Et quand Noé est mort, Abraham était déjà grand. Alors que Noé avait 950 ans, bien-aimé. Un élu des dieux, tu es éternel. Très important. Je continue. Le verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera redemandé. Or, l'homme qu'on demande le sang des élus, l'homme qu'on demande le sang du peuple de Dieu, remarquez, je vais prendre une écriture, peut-être tu ne vois pas. Apocalypse. Espérons que je vais trouver cette écriture. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, pour les âmes qui étaient sous l'autel. Les âmes qui étaient sous l'autel. Je veux chercher, c'était dans quel sceau. Je sais que ça doit être à partir du cinquième sceau. Alors, je vais le chercher rapidement, le sceau. Alors, je prends Apocalypse chapitre 6, le verset 9, cinquième sceau. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. En d'autres termes, les sang de ceux qui étaient tués ou versés. Les sang de ceux qui étaient tués ou les sang versés. Verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet les nombres de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. J'ai pris cette écriture pour te montrer par rapport à Genèse chapitre 9 que si l'homme tue un homme ou verse le sang, son sang sera redemandé. C'est le sang de qui? Ce n'est pas le sang de tout le monde. Le sang que Dieu va demander, c'est le sang des enfants de Dieu. C'est-à-dire les élus et aussi la vierge folle, ou soit les appelés. Donc, le sang des enfants de Dieu sera redemandé à l'homme animal. C'est là-bas qu'il y aura les jugements. Dieu va juger les hommes parce qu'ils ont maltraité ses enfants. Ça, vous voyez, c'est là. C'est ça le jugement. Donc, j'ai pris cette écriture pour te montrer que les âmes sous l'autel, le cinquième sceau, ce ne sont pas les élus, mais ça sera plutôt la vierge folle qui va souffrir. Parce que les hommes sous l'autel, c'est quel autel? C'est l'autel des reins. Là où les sang coulait sous l'autel des reins, et que ces âmes-là, on les a égorgées. Parce qu'il faut comprendre qu'on va égorger beaucoup. Après l'enlèvement, ils seront tués à fond. Et ça, vous voyez, c'est là. Et comme ils seront tués, il faut que
ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, il faut que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus continuent la marche. Est-ce que vous voyez cela? Ils vont continuer la marche, mais cependant, les hommes vont commencer à les prendre et les tuer. En d'autres termes, les égorger. Or, quand on t'égorge, cela veut dire que tu as été immolé, sacrifié, égorgé. Alors, le sang va couler comme au temps d'Abel. Alors, ce sang va crier devant l'autel de Dieu à quand tu vas juger le monde. Et Dieu va dire, attendez encore, parce qu'il y aura encore d'autres personnes qui seront tuées comme vous. C'est quand? Pendant la grande tribulation. Là, les élus ne sont pas là. La Vierge sage n'est pas là. Mais ça sera au temps où la Vierge folle va souffrir et les 144 000 et les deux prophètes, c'est-à-dire les deux oies. Ce n'est pas notre enseignement. Nous rentrons dans Genèse. Je suis en train de vous montrer ici, parce que je vous ai dit, nous parlons, notre thème, c'est les élus pour l'arche de Noé. Je vous ai montré quant aux hommes ici, que Noé et ses enfants, c'était les élus que Dieu a choisis parmi tous les hommes. Mais la famille de Noé, le frère de Noé, les sœurs de Noé, c'était la vierge folle qui ne va pas entrer dans l'arche pour monter à l'enlèvement, mais qui va rester et qui va mourir avec les autres. Ça, vous voyez, ça c'est la vierge folle. C'est ce que je voulais dire. Donc là, c'était la partie de les élus parmi les hommes. Donc Noé, c'est les élus que Dieu a choisis parmi les hommes. Toi, tu es un élu de Dieu. Que Dieu va choisir parmi les hommes et tu vas aller en enlèvement. Comprends que dès que tu montes en enlèvement, tu es devenu éternel. Parce que l'onction de Dieu sera sur toi et tu ne vas pas mourir. Tu deviens éternel. Tu reviendras sur la terre, tu ne mourras pas. Tu vas vivre plus de 1000 ans, tu ne mourras pas. Et tu vas entrer dans l'éternité. Dans la lettre, Noé a vécu 950 ans, mais nous, nous allons vivre plus de 1000 ans et après nous allons entrer dans l'éternité. Donc Noé étant un élu, Sem étant un élu, c'est le type de toi et moi. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous serons éternels. C'est ça la grâce que Dieu donne aux élus. Très important. Alors, nous allons commencer une deuxième partie. Deuxième sous-thème. Maintenant, nous allons parler des animaux. C'est très important. Là, je parlais des hommes, les dimanches passés et aujourd'hui. J'ai touché les hommes. Je vous ai montré que c'est Noé qui est en fait l'élu et ses enfants, et que la Vierge folle va rester la famille de Noé, mais touché là, c'est en fait Israël. Très important. Maintenant, nous allons maintenant chez les animaux. Je vais prendre Genèse chapitre 6. Je prends le verset 17. Nous voulons maintenant expliquer les élus pour l'arche de Noé, mais chez les animaux. Genèse chapitre 6, le verset 17. Et moi, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et la femme de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des animaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange
et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je prends chapitre 7, Genèse chapitre 7, le verset premier. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Je saute, je prends l'écriture. Genèse chapitre 7. Je prends le verset 20 jusqu'à 24. Je suis en train de montrer ici les élus parmi les animaux. Je vous ai déjà montré les élus parmi les hommes. Je viens maintenant les élus parmi les animaux. Et je vais toucher les élus parmi les arbres prochainement. Genèse chapitre 7, le verset 20. Les eaux s'élevèrent des 15 coudées au-dessus de montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. J'aime la Bible, bien-aimée. La Bible l'a très bien dit, le verset 23. Que tous les animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les reptiles, tous les animaux, que ce soit les hommes, ils étaient morts, exterminés, à part ceux qui étaient dans l'arche. En d'autres termes, Dieu a choisi les animaux parmi les animaux. Il a fait une élection. Il les a amenés vers Noé. Attends, je vais prendre cette écriture qui me dit que les animaux sont venus vers Noé. Je vais prendre cette écriture. Alors, je vais le prendre. Rapidement. Voilà, le verset 20. Genèse chapitre 6. C'est très important ce que je veux dire ici. Genèse chapitre 6, le verset 20. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi. C'est ce que je cherchais. Viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Les animaux viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Ce n'est pas Noé qui est parti vers les animaux, mais ce sont les animaux qui sont venus vers Noé. Écoutez-nous bien, bien-aimés. Je suis en train de parler les élus parmi les animaux. J'ai déjà expliqué les élus parmi les hommes. Maintenant, j'explique les élus parmi les animaux. Qui sont ces animaux qui ont écouté Dieu? Parce que la question, c'est de savoir qui a dit au lion, qui a dit au cheval, va vers Noé. La seule personne sur la terre
que tu peux écouter, la seule personne sur la terre que tu peux être sauvée, c'est Noé. Qui a envoyé les animaux vers Noé? Parce que pour que les animaux viennent, il faut que quelqu'un les dise. Allez vers Noé. Oh, quelqu'un qui va parler ici, il est en train de prêcher. Qui a prêché aux animaux pour les amener vers Noé? Ce n'est pas Noé qui est parti vers les animaux, mais ce sont les animaux qui ont écouté la prédication. Ils ont écouté la prédication où? Dans la forêt. Dans la forêt, dans les champs. Les lions ont écouté la prédication. Dans la forêt, des crocodiles ont écouté la parole. Dans la forêt, des tigres ont écouté l'enseignement. Et ce ne sont pas tous les tigres qui ont accepté l'enseignement de cet homme qui est en train de crier dans les champs. Ce n'est pas tous les lions qui ont écouté l'enseignement de cet homme qui prêche dans les champs. C'est seulement un élu. Les lions élus, les tigres élus, les chevaux élus, les animaux élus, ils ont écouté l'enseignement, ils sont venus vers Noé. Ce n'est pas tout le monde qui écoute l'enseignement du salut. Ce n'est pas tout le monde qui a l'oreille pour comprendre l'enseignement qui mène au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui a l'oreille pour accepter l'enseignement qui nous amène à l'enlèvement. Il faut être un élu de Dieu. Dieu a donné l'oreille seulement à un lion et à une lionne pour qu'il puisse écouter l'appel. Ce n'était pas tous les lions. Seulement les lions que Dieu avait choisis, ce sont eux, lion et la lionne qui sont venus. Ce sont les élus, bien-aimés. Parce qu'ils doivent aller au ciel. Maintenant, les autres, la famille du lion qui est restée. Parce que comprenez que quand le lion est venu pour entrer dans l'arche, les lions vont prendre la lionne. Ils vont venir dans l'arche. Ils ont abandonné leurs enfants. Pourquoi? Parce que les enfants du lion étaient des rebelles. Waouh! Ça, c'est la prédication de la folie, bien-aimé. Les lionceaux n'étaient pas entrés dans l'arche. L'agneau n'était pas entré dans l'arche. Des poussins n'étaient pas entrés dans l'arche. Pour entrer dans l'arche, il faut avoir la maturité. Il faut devenir lion. On n'a pas besoin de bébés spirituels. On n'a pas besoin de lionceaux. Mais on a besoin de lions. Un animal mature. La lionne, un animal mature. On n'a pas besoin de bébés. Mais on a besoin de ceux qui sont matures. Ce sont eux qui vont écouter la parole, qui acceptent l'enseignement et qui vient vers Noé. Or, Noé aujourd'hui, l'arche aujourd'hui, c'est l'enseignement que nous sommes en train de présenter. Toute personne ne va pas accepter notre enseignement. C'est seulement ceux que Dieu a choisis, les élus que Dieu a choisis avant la fondation du monde, bien-aimé. Oh! Si seulement Dieu te choisit pour que tu viennes dans l'arche de Noé, c'est là-bas que tu auras ton salut. Dieu va prêcher dans la forêt un enseignement puissant. Les lions étaient là, les tigres, des girafes, mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté. Mais seulement les lions qui devaient entrer dans l'arche. Il a écouté l'enseignement du Seigneur. Il a dit, waouh, jamais un homme n'a parlé comme cet homme qui est en train de me parler. Afin que je quitte mon environnement, que je quitte le péché, que je quitte mes amis, que je quitte ma famille pour aller vers Noé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Un élu de Dieu doit tout abandonner. Voilà la qualité que nous sommes en train de rajouter. Je vous ai dit dans cet enseignement, nous allons vous donner toutes les qualités d'un élu de Dieu. Un élu de Dieu doit tout abandonner
pour suivre la voie qui est l'enseignement. Tout abandonné, bien-aimé. Les lions n'ont pas regardé ses enfants. Parce que j'aimerais vous dire qu'aucun enfant d'un animal est entré dans l'arche. Aucun. C'est le mort des animaux matures. Il faut avoir la maturité. Il faut avoir la maturité. Remarquez que dans l'arche, il faut entrer deux à deux. C'est-à-dire l'homme et la femme. Tu ne peux pas entrer seul. Pour entrer dans l'arche de Noé, pour entrer au ciel, quand Dieu te regarde, tu dois être femme et qui est à l'image de son mari. Quand Dieu regardait la lionne, il dit, c'est cette lionne et ces lions, ce sont eux qui vont entrer. Pour aller au ciel, si d'autres lions et d'autres lionnes ont raté l'enlèvement, ont raté de venir vers Noé, c'est parce que d'autres lions et d'autres lionnes étaient séparés. Là, j'entre dans la dimension, bien-aimé. Étaient séparés dans leur mariage. Parmi ces lions, il y avait des adultères. Parmi ces lions, il y avait des criminels. Il y avait des assassins. Il y avait des gens qui tuaient. Parce que les hommes ne sont que des animaux. Pour entrer au ciel, il te faut l'homme de Galilée. Parce que toi, tu es une femme. Or, dans l'arche, on entre que l'homme et la femme. Le Seigneur et toi. Toi, tu es une femme. Le Seigneur, c'est un homme. L'enseignement, c'est un homme. C'est comme ça que vous pouvez entrer dans l'arche de Noé pour aller en enlèvement. Ce sont les morts en Christ. Il faut avoir le Christ, le mari, et toi, tu es une femme. L'homme et la femme, c'est comme ça que nous entrons au ciel. Ah, la Bible, j'ai envie de jubiler, bien-aimé. J'ai envie de jubiler, de te dire que si tu n'es pas marié, tu ne vas pas aller au ciel, bien-aimé. Si tu n'as pas un mari, tu ne vas pas aller au ciel. Pour aller au ciel, tu dois être marié. Tous les célibataires ne vont pas entrer au ciel. Je ne parle pas des célibataires physiques, je parle des célibataires spirituels. Si tu n'as pas le Christ Jésus qui est le mari, tu ne vas pas aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut l'homme et la femme. Le Christ est nous. Jésus est mort, bien-aimé. Il faut écouter l'enseignement. L'enseignement qui nous attire vers Noé. Ce n'est pas Noé qui est parti chercher les animaux, non. Mais ce sont les animaux qui sont venus vers Noé. Mais qui a dit aux animaux, allez vers Noé? Nous sommes en train de dire, c'est l'enseignement, la voix qui a crié dans les champs pour ramener le peuple vers Christ, pour ramener le peuple vers le salut. Très important. Pourquoi je dis cela? Jean chapitre, je vais te montrer la voix. La voix qui criait dans les champs, c'est quelle voix? Jean chapitre 17. Non, c'est ça? Oui. Jean chapitre 17. La voix qui criait dans les champs et qui nous a dit d'aller vers Noé. Parce que le véritable Noé, c'est Jésus qui nous a ramenés vers Jésus. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Les animaux appartiennent à Dieu, c'est Dieu qui les a envoyés vers Noé.
Ah, j'aime la Bible, bien aimé. J'aime la Bible. Ils étaient à Dieu. Dieu va les envoyer vers Noé. Waouh! Dieu est bon. Dieu nous a donné à Noé pour que Noé puisse avoir de l'autorité sur nous. J'aime ça. Noé a de l'autorité sur les animaux parce que c'est Noé l'homme. Jésus a de l'autorité sur nous. Nous sommes sa femme. Le Père qui nous donne à Jésus, le Père qui donne les animaux à Noé, c'était le mariage que le Père est en train de donner sa fille à son fils. C'était le mariage, bien-aimé. Pour aller au ciel, tu dois te marier à Noé. Tu dois te marier au Seigneur Jésus. C'est comme ça que tu vas entrer. C'est le Père, notre Papa, qui nous a donné au mari. Le mari, c'est Jésus. Il doit nous dominer parce que c'est lui, le mari, qui domine la femme. Noé doit dominer les animaux. Les animaux, c'est la femme de Noé. Ouh! J'aime beaucoup la Bible. On peut rester ici jusqu'à demain, bien-aimé. J'aime beaucoup la Bible. Donc, nous avons compris que les animaux étaient dans les champs, étaient avec leur papa. Le papa, c'est le créateur, le Dieu qui a créé tous les animaux. Mais il a compris que parmi toutes ces créatures, ce ne sont pas toutes les créatures qui doivent aller en enlèvement. Il va choisir. Parce que c'est le Père qui sonde le cœur et le rein. Il a sondé le cœur et le rein de tous les animaux. Il a dit, tel lion vont aller vers Noé. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça l'élection de Dieu, bien-aimé. Dieu a fait une élection dans les champs pour que les animaux viennent devant Noé. Dieu va faire une élection parmi les hommes pour que pas tout le monde aille au ciel. Seulement les élus. Seulement les élus de Dieu. Alléluia. Seulement les élus de Dieu. Oh, tu es un bien-aimé de Dieu. Et Dieu t'aime beaucoup. Parce que Dieu t'a choisi parmi les hommes. Pourquoi Dieu va te choisir? C'est parce que tu es sorti de Dieu. Je vais quand même lire un dernier verset avant qu'on se sépare aujourd'hui. Éphésiens chapitre 1er. Nous sommes en train de parler les élus, bien-aimés. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. C'est pour cela que nous disons que les élus de Dieu ne pêchent pas. Dieu les a créés pour arriver à la sainteté. Quand Dieu va les prendre, ils seront irréprochables. Ce n'est pas une force qui vient des élus, mais c'est une force qui vient de celui qui les a appelés. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui va nous choisir. C'est lui qui fait l'élection. La force d'être saint, la force d'être irréprochable ne vient pas de toi, mais vient de Dieu. Mais parce que tu es un élu de Dieu, nous allons voir le fruit que tu es saint, que tu es un élu de Dieu et que tu es irréprochable. Ce n'est pas que tu dois vivre dans le péché, non. Nous devons voir la sainteté de Dieu. Là, nous approuvons que tu viens de Dieu réellement, parce que tu es un élu de Dieu. Mais cette qualité ne vient pas de toi, mais vient de celui qui t'a choisi. Il t'amène vers l'enseignement, vers Jésus-Christ, pour que tu ailles au ciel. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le type de Noé. C'est lui qui va nous donner une place dans les corps. C'est lui qui va nous placer, parce que nous ne connaissons pas encore les corps. Il va nous prendre, il va nous classer
dans l'arche. C'est ça ce que Noé devait faire. La Bible dit, Noé devait prendre l'alimentation pour donner aux animaux. Jésus nous a donné la parole, la nourriture pendant les temps de la grâce, pour que nous puissions manger et aller à l'enlèvement avec lui. Oh, Jésus est bon. C'est lui notre Noé. Dieu nous a appelés par sa parole. Et nous sommes attachés à l'enseignement qui est notre Noé, à l'enseignement qui est Jésus, à l'enseignement qui est notre salut. Et c'est comme ça que nous allons monter. Bien-aimés, gardez la foi. Gardez le fruit du salut. Si réellement tu es un élu de Dieu, faut jamais fuir l'enseignement. Si réellement tu es un élu de Dieu, mets en pratique l'enseignement. Si réellement tu es un élu de Dieu, écoute ce que Dieu dit à l'église. Écoute ce que le Seigneur dit à son épouse. Respecte la parole de Dieu. Même si tu trouves que c'est dur, la meilleure des choses à faire, c'est d'abord respecter. Ce n'est qu'alors tu seras un élu confirmé pour aller vers Noé et monter avec nous. Très important. Parce que le Seigneur est en train de préparer son peuple pour aller en enlèvement. Jésus est fidèle et Jésus est grand. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Oh bien-aimé, là où tu es, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole. Tu es choisi des dieux. Tu étais encore dans les champs, dans la forêt, mais Dieu est venu te choisir. Commence à remercier le Seigneur, lui qui te connaît. Lui qui te connaît, bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Car le fruit qui sont en toi, le fruit spirituel, Dieu est en train de le faire sortir pour que le monde voie que réellement tu es l'élu de Dieu. Remercie le Seigneur pour cette parole, parce que tu es choisi de Dieu. Prie là où tu es, bien-aimé. Alléluia. Oh Jésus, tu es grand. Nous t'élévons, le roi des gloires, le Seigneur tout-puissant. Nous contemplons la gloire de celui qui est Dieu. Nous voulons célébrer le nom de celui qui est digne. Oh, nous élevons nos voix devant toi. Car nous crions à toi pour que ton secours nous vienne, Seigneur. Pour que nous ayons la force de continuer. En nous-mêmes, nous ne savons pas continuer. Mais celui qui nous rend capables, c'est toi. Bénis ton peuple, Seigneur. Et nous te remercions parce que tu nous as choisis comme élus pour aller au ciel avec toi. Nous étions, Seigneur, errants. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions dans les champs comme des sauvages. Mais tu es venu nous appeler. Tu nous as donné ton enseignement. Nous sommes sortis, Seigneur, de la sauvagerie pour porter la semence qui vient de toi. Oh, nous voulons demeurer dans ta présence, car tu es le roi des gloires. Aucun homme n'est semblable à toi. Oh, nous sommes élus par toi, Jésus. Avant la fondation du monde, tu nous as prédestinés pour que nous ayons la semence qui vient de ta part. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Fais que cette parole reste dans nos cœurs, afin de garder l'enseignement, fuir le péché, vivre dans la sanctification, respecter ta parole, respecter l'enseignement, parce que tu es celui qui nous garde. Aucun homme n'est semblable à toi. Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Oh, tu es Dieu. Alléluia. Que la gloire te soit rendue. Oui, bien aimé, prie pour ta famille. Commence à prier pour ta famille. Que Dieu te fasse grâce. Que ta famille aussi reçoive cet évangile. Que Dieu puisse toucher ta famille. Afin que ceux qui sont en dehors de cet enseignement, que le roi des gloires leur donne la force. Commence à prier, prie pour tes enfants. Commence à élever la voix, alléluia. Commence à élever la voix, bien-aimé. Que le Seigneur touche tes enfants. Afin que tes enfants reçoivent cet enseignement. Père, il n'y a que toi qui peux nous garder. Garde-nous fidèles. Je remets mes enfants entre tes mains, Jésus. Accorde-leur la sagesse qui vient de toi. Afin qu'ils puissent garder ta parole. Afin qu'ils puissent te rencontrer dans leur vie. Sois la seule personne qui va le visiter, là où ils vont passer partout sur la face de la terre. Que ta gloire, Seigneur, soit sur eux. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie de l'Éternel. Quand il sera grand, il s'en souviendra. Je permets, Seigneur, que ta grâce
puisse accompagner mes enfants afin qu'un jour, que les souvenirs reviennent dans leurs pensées pour qu'ils ne marchent avec toi. Car Seigneur, je n'ai rien à donner à mes enfants. Je n'ai pas de mouchoir, je n'ai pas de l'eau, je n'ai pas de ficelle, Seigneur. Je n'ai pas de hameçon, Seigneur. Il n'y a que toi que je peux donner à mes enfants. Le Seigneur de gloire, je n'ai pas de chaînette magique. Il n'y a que toi, Jésus-Christ, le Dieu gloire, les dieux puissants, les dieux redoutables, que je suis en train de donner à mes enfants. Permets que tu puisses les visiter et qu'ils soient un peuple qui vont marcher sous la puissance de ta main. Garde-le fidèle, Seigneur, à chaque fois qu'ils vont marcher sur la face de la terre, que la grandeur de ton chaînon, de ta parole, puisse les garder au nom de Jésus-Christ. Car tu es notre protection. Celui qui nous garde, c'est toi, Jésus. Alléluia. Nous crions à toi, le Dieu Tout-Puissant. Qui peut se mesurer à toi? Oh, 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 je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh, 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 oh. Oui, Seigneur, nous élevons la voix devant toi. Car tu es notre soutien, le Dieu redoutable, celui qui est Dieu d'éternité à l'éternité. Cette œuvre t'appartient, Jésus. Permets que cette œuvre puisse toucher un grand peuple. Afin que le peuple se prépare, afin que nous puissions entrer dans l'arche. Car bientôt l'arche va bouger. Parce qu'il faut que le péché des Amoréens puisse atteindre son comble. Il faut que le péché des Amoréens monte, Seigneur Jésus, pour que l'enlèvement arrive. Oh Dieu de gloire, nous t'appartenons. Garde-nous fidèles à toi pour la puissance de ton nom Jésus. Nous voulons continuer cette œuvre, demeurer dans ta présence pour la seule gloire de ton nom. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur quand nous allons encore nous rencontrer demain, lundi, mardi, mercredi et jeudi à partir de 21h pendant nos temps de prière. Assiste-nous, Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Car tu es le roi puissant. Aucun homme n'est semblable à toi. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh, Jésus, tu es bon. Voilà. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h, mardi, mercredi, jeudi aussi à partir de 21h pour nos temps de prière. Ne manquez pas, c'est très important. Nous avons notre service de baptême, le deuxième tour pour le service de baptême. Ça sera le 19, le samedi 19 à partir de 8h30. Le samedi 19 à partir de 8h30, la rencontre, c'est devant l'assemblée, la salle, là où nous nous réunissons, chaussée de Mons numéro 244, à partir de 8h30. Le service de baptême, les 19, c'est à partir de 8h30. Il y aura notre rencontre là-bas, dans la salle, à partir de 8h30. C'est là-bas que nous allons prendre de voiture et aller à Ostende. Donc ne manquez pas, samedi le 19 septembre à partir de 8h30, devant la salle, là où nous nous réunissons, chaussée de Mons, numéro 244, 1070 Arnelect, à partir de 8h30, le 19 septembre. Donc ne manquez pas, nous serons là pour notre service de baptême et le roi des gloires ne manquera pas de nous bénir. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous, c'est très important. Et pour tous ceux qui ont pris des engagements pour nous soutenir financièrement en ce qui concerne la salle, si vous écoutez en tout cas cette annonce, ne manquez pas de réagir.
parce que nous avons besoin de votre finance. C'est très important. Tout ce que Dieu mettra à cœur pour que vous puissiez nous soutenir, vous êtes les bienvenus. Mais il y a des bien-aimés qui ont pris des engagements. Ceux qui ont pris ces engagements, veillez respecter ces engagements, c'est très important. Mais ceux qui aimeraient nous soutenir à part ces engagements, vous êtes toujours les bienvenus. Ne manquez pas de nous contacter et de nous faire parvenir votre cotisation. Dieu ne manquera pas de vous bénir financièrement et spirituellement. Donc voilà les communiqués que nous avions. En tout cas, ne manquez pas nos réunions en France, rue Daton numéro 3, Villeneuve-Saint-Georges, chaque dimanche à partir de 11h30 jusqu'à 14h. 3 rue Daton, Villeneuve-Saint-Georges, à partir de 11h30 chaque dimanche. C'est là-bas que vous aurez des enseignements avec nos frères, nos bien-aimés qui sont là, le frère Papy, le frère Patty, le frère Gauthier, tous les frères qui sont tout autour de ces bien-aimés. Dieu ne manquera pas de vous bénir par les enseignements et des prières de délivrance, car le roi des gloires est en train de nous faire du bien. Donc, nous sommes toujours à l'attente de vos cotisations. C'est très important. Donc, ne manquez pas pour que nous puissions avoir notre salle, parce que on sent déjà cette envie de commencer de nous réunir. Donc, voilà, c'était ça. C'était ça notre rencontre d'aujourd'hui. Que le Seigneur de gloire vous bénisse encore davantage. Nous allons nous rencontrer demain à partir de 21h dans la prière avec notre frère Timba. Que Dieu te bénisse, frère Timba. Le mardi avec nos frères de France. Que Dieu vous bénisse, le frère Gauthier, tous les frères. Le frère Papy, le frère Patty, que Dieu vous bénisse. Les bien-aimés qui sont à Paris, toutes les mamans, que Dieu vous bénisse. Nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, le frère Chembo, que le roi de gloire vous garde. Nous élevons aussi nos compliments à tous les bien-aimés partout. Que le Dieu de gloire vous donne la force de continuer dans la foi. Quelle joie de demeurer dans cet enseignement, car nous sommes les élus de Dieu. Que le roi des gloires vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. À demain à partir de 21h. Merci beaucoup.